tuyau d'MJ était juste. Cet endroit grouille de démons. Je dois me débarrasser d'eux. Je ferai du repérage après. Ok, le compte est bon. Une serrure haute sécurité. C'est plus courant dans les banques que dans les centres de tri. Je pourrais peut-être trouver d'où vient l'alimentation. Je devrais pouvoir contourner le circuit. Il me faut mes toiles électriques. Bon, au moins ça marche, mais on dirait que les circuits ont besoin d'un peu plus de jus. Je dois trouver une boîte de dérivation. Et voilà. Le circuit a l'air encore stable. Il y a peut-être une autre boîte de dérivation dans le coin. Trouvé.
On y est presque. Encore une et ça devrait être bon. Et voilà! Oh, waouh. Ça doit être là qu'il compte frapper. Attends. C'est le bureau de campagne d'Osborne. Tous les itinéraires partent de la même adresse. Ça vient de l'armurerie de Fisk. Des camions piégés? C'est dingue! Explosifs du chantier de Fisk. Pas mal de matos high-tech. Peut-être que je pourrais recycler tout ça pour m'en faire des armes. C'était pas une guerre de gang. Les démons n'ont volé Fisk que pour s'en prendre à Osborne. Salut, t'as trouvé Lee ? Non, mais t'avais raison. Lee utilise cet endroit comme planque pour les démons. Y a des bombes, des armes. Oh, c'est pas vrai. Et on dirait qu'il prépare une autre attaque. Cette fois, contre le bureau de campagne du maire. Lee doit avoir une dent contre Norman Osborn. J'ai trouvé une adresse. Je crois que c'est leur base d'opération. Si je me dépêche, je devrais pouvoir les arrêter. Sois prudent. Yuri, c'est moi. Faites vite, mon chef m'attend pour me passer un savon. Martin Lee et les démons préparent une nouvelle attaque. Cette fois contre le bureau de campagne de Norman Osborn. Vous êtes sûr ? Parce qu'on a eu pas mal de fausses pistes cette semaine. Faites-moi confiance. Je vous envoie l'adresse d'un centre de tri. Vous y trouverez toutes les preuves dont vous aurez besoin. Entendu. Je vais faire évacuer ce bureau de campagne. Et si je fais ça pour rien, vous aurez mon licenciement sur la conscience. Thank you.
Consolidated Shipping. Il y a du monde. Faut que j'essaye d'y aller discrètement. Mais aussi avec style. Je peux utiliser ce que j'ai trouvé au centre de tri ? La classe ! J'adore utiliser les armes des méchants contre eux. Et ça, mes amis, c'est ce qu'on appelle le karma. Il n'est pas là. Je ferais bien de regarder à l'intérieur. Heureusement que j'ai mis un terme à tout ça. Ils auraient pu faire sauter la moitié de Manhattan avec un stock pareil. Ils ont des bases aux quatre coins de la ville. Qu'est-ce que je peux bien trouver d'autre ? La facture d'un garage. Pale Horse Rides. Eh bon, c'est fait plaisir, on dirait. C'est pire que ce que je pensais. Les démons disposent carrément d'une armée. Comme si un seul poids mortel suffisait pas. Je sais pas à quoi je m'attendais, mais clairement pas à ça. Hé, hey, je crois que j'ai fait échouer l'attaque des démons contre le bureau de campagne d'Osborne. Bien joué. Est-ce que t'as trouvé ? Non,
Mais j'ai trouvé quelque chose qu'il faudrait creuser. Un endroit appelé Payland's Rise. Ça me dit quelque chose. Je vais vérifier, je te tiendrai au courant. Silverbird, nous nous dirigeons vers l'emplacement. En voilà un autre. Parez à tirer. C'est nouveau, ça. Non, celui-là est pour moi. Allez. Je vais lui mettre une balle à ce fils. Hé ! C'est pas comme ça qu'on fait ! Chez nous ! Code SM1. Wow ! Et avant de commencer, on pourrait se présenter ? Code SMA. Nous attendons les ordres. Reçu code SMA. Visuel confirmé. Attendez Silverbird. Sur l'échelle de je me la raconte, c'est 8 sur 10. Ok, 9 sur 10. Relâchez-le. Il est avec nous. Yori, vous pouvez m'expliquer ? Voici Silver Sablinova. Elle dirige Sable International. Une force de sécurité privée. Elle a été engagée par le maire Osborne. Ah, le maire a son armée perso maintenant ? La prochaine fois que vous êtes dans mes pattes, je serai pas aussi gentille. Allez-y. On se voit plus tard. Cette histoire avec Sable. J'aurais dû vous en parler plus tôt, mais c'est arrivé si vite. C'est pas grave, je suis toujours votre meilleur ami. Vous êtes pas mon meilleur ami. Là, vous me faites de la peine. Bref, Sable est dans les petits papiers du maire et a pour ainsi dire carte blanche. Nous avons trouvé de nombreux indices sur l'attentat à l'adresse que vous nous aviez fournie, mais rien qui n'incrimine Martin Lee. J'y travaille.